Saphira dans les défis du carré. Ah si si. Oh yeah. Saphira a trouvé le plus haut de la carte. Et voilà, et donc voilà. On en était à dire que pas les stars d'aujourd'hui, parce que des gens, tu vois, comme Britney Spears, elles peuvent se le permettre, parce qu'elles ont toujours été comme ça. Les premières chansons de Britney Spears, elles étaient déjà très osées, donc ça commençait comme ça. Mais alors elle, oh, mon Dieu. Bon, je vais essayer de planter un peu d'arbres ici. Mais c'est comme d'hab, j'ai oublié. Attends, on manque vraiment de blocs, hein. Je vais être obligé d'en casser à des endroits. Hein. Je peux mettre des bibliothèques quand même. Ouais, excusez-moi hein, pour les allers-retours. On n'a plus rien. Ah bah je suis bête, je vais prendre de la laine. Allez. J'ai du bois si tu veux moi. T'en as beaucoup ? Du bois ou des planches ? Des planches. D'accord, bah je monte alors. Parce que c'est juste pour refaire un niveau d'arbre. Ah mais c'est ça la genèse d'aujourd'hui. De toute façon maintenant comme tu dis, bah comme dans tous nos précédents épisodes on a parlé, entre les téléphones, les... De toute façon c'est comme ça que ça se veut. Hein. Ça veut dire que bientôt les stars auront 10 ans, auront des téléphones portables et feront comme Miley Cyrus. Oui c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs maintenant... La génération d'aujourd'hui quoi. Maintenant un autre sujet qui où beaucoup de gens sont d'accord comme d'autres qui sont pas d'accord, c'est... qui va être totalement interdit de gifler son enfant. Ah non. Déjà tu te souviens la bêtise qui nous a, enfin comme ils nous ont fait chier pendant longtemps avec les merci avec la fessée là. Oui. La fessée va être interdite, gna gna gna. On trouvait ça bête et maintenant quand tu vois la pub là. Une petite gifle pour vous, une grosse pour lui. Je veux dire, je m'en suis pris des tartes. Moi, je suis encore là. Non, moi aussi, j'en suis pas morte. Eh ben, je veux dire, attends. Non, mais... Je m'en suis pas ramassé beaucoup dans ma vie, mais ça m'a pas tué. Hein. Ouais, mais c'est juste pour dire que... Merde, quoi, c'est... Il y a des enfants... Je veux dire, d'accord, c'est mal de frapper, mais bon, c'est les parents. Non, mais il y a frapper, oui, et il y a foutre une gifle parce que ton gamin, d'un moment, c'est plus possible, quoi. Et après, il y a le fait qu'il y a des gens, voilà, qui s'éclatent, entre guillemets, à frapper leur gamin. Et il y a ceux qui le font parce que, voilà, il y a quoi de le dire, le gamin le mérite, quoi. Oui, bien sûr, bah ouais. Après, il faut savoir faire la différence, quoi. Si maintenant, t'as mis peuple... Déjà, quand tu vois les gamins d'aujourd'hui, comment ils répondent ou parlent à leurs parents... Si maintenant t'as même plus le droit de faire ce que tu veux, autant ne pas éduquer ton gamin et le laisser faire comme il veut, quoi. Bah oui. Mais le souci c'est que là. Le souci c'est que là on se rend compte des problèmes qu'on va avoir si les enfants sont plus punis. Ah bah la France. Parce que je veux dire tous les. D'accord, il y a toujours des façons qui peuvent marcher sans gifle. Parce qu'on l'a bien vu avec les super nannies, les trucs comme ça. Mais je veux dire ça. Ça a jamais tué personne, il y a des enfants, ça les casse. Et je veux dire, si les enfants, ils ont plus peur de quelque chose chez leurs parents, enfin je veux dire, moi je sais que j'aurais un gosse, c'est vrai que je serais pas du genre à lui foutre des gifles tout le temps, ça c'est sûr, mais je veux dire... Oui, bah tu vas pas lui en foutre pour tenir, quoi, ça c'est bien. Je veux dire, quand j'ai entendu l'autre jour, hein, il va y avoir ça fait presque peur, il va presque y avoir des récompenses pour les gens qui dénoncent leurs voisins, leur famille, enfin tout ce que tu veux, qui donnent des gifles à leurs enfants. Enfin, pas des récompenses, mais je veux dire, ils seront félicités, quoi. Oui, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est... Hein ? Voilà, quoi, c'est... C'est... Enfin, moi, je trouve ça d'une débilité. J'ai dit... Autant ne pas éduquer ton gamin, laisser faire comme il veut. Et... Bah oui, mais de toute façon, c'est ça. Hein. Et voilà. Hein. Je dis pas non plus que c'est indispensable de t'en foutre une à son gamin. Si ton gamin t'arrive à bien l'éduquer, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Mais, enfin, voilà, il y a des... Pff, au bout d'un moment, ça n'a jamais tué personne d'avoir une baffe dans sa vie. Hein. Oui, bah c'est sûr.
Au lieu de s'occuper de ça, ça devrait s'occuper des personnes qui sont réellement battues Oui, bah voilà. et qui, voilà, eux ne peuvent vraiment plus rien faire, qui sont vraiment sont vraiment mal, quoi. Et plutôt de s'occuper des gamins parce qu'une personne un jour a foutu une gifle à son gamin parce qu'il a fait une connerie, quoi. Bah tu m'étonnes. Voilà. Arrêtez au bout d'un moment. Limite, après, t'auras plus le droit de faire ce que tu veux. C'est Tu sûr. devras faire Quand j'ai obéir et puis point entendu, final, quoi. à une époque, quand ils parlaient des cigarettes là à fond, qui voulaient interdire les gens de fumer chez eux, mais j'ai dit attends, attends. Non, mais ça. Je veux dire, s'il y a des invités et la fumée les dérange, ils viennent pas. Mais c'est où tu demandes aux gens si ça te plaît pas, tu leur demandes d'aller fumer dehors, quoi. Bah oui, c'est Voilà, pas. si t'as même plus le droit de fumer chez toi, enfin, personnellement, avec mon père, on se ferait arrêter, hein, ça c'est clair. Non mais après je sais pas parce si que à voilà. l'époque, je sais pas à l'époque c'était une rumeur pour du genre nous dire ouvrez les yeux c'est n'importe quoi ou si c'est vrai. Mais oui, comme je crois qu'ils en ont parlé parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui vous avez interdit de fumer dans les bars. Mais le souci c'est qu'il y a énormément de gens qui fument chez eux et chez eux il peut y avoir des invités avec des enfants. Ouais mais attends, non, on n'a pas fini hein, si on fait ça. Hein. Autant Mais dire qu'on fume c'est nulle clair. part, parce que je veux dire, si tu fumes Bah à ta, oui. si tu fumes à ta fenêtre, qu'il y a un gars, ton voisin à côté, c'est un gamin, il a la fenêtre ouverte, je veux dire, c'est Bah n'importe oui, quoi. bah Je veux dire, je suis d'accord que, c'est ouais, d'accord, limité. ils ont arrêté déjà dans les trucs publics, c'est déjà bien. Pourquoi aller faire chier les gens chez eux? Oh bah oui, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Ouf. Limite. En fait, depuis tout à l'heure, je monte et je descends, je fais rien. Mais moi, je suis en train de récupérer le bois qu'on a mis qui est inutile en fait. De toute façon, on est obligé de traficoter quelque chose. Bah attends, t'as raison. Enfin, le bois que j'ai mis là, ben t'as qu'à le couper, on va le transformer en planche. Hein. Parce que ça nous en fait perdre pas mal. Hein. Comme ça, on mettra une planche à la place. Ça fait combien de planches, une bûche? 4, je crois. Je suis pas sûre, en tout cas. Ouais, 4. Non, j'y arriverai jamais. Ouais, c'est bon, j'en ai récupéré pas mal, hein, presque un stack. T'as pas repoqué, Non, pas encore. Merde, j'ai cassé les échelles. Oh, Ah bah bravo. me Ah faites bah pitié qu'il faut bravo. pas toucher. Non mais allô quoi, comme dirait Tony. Voilà. Ah. Ah oh, putain, je me suis coincée. Oh la con. Hop. Donc, il faudra que je récupère la terre de... Ah bah tiens, encore une citrouille. Hop. Donc je vais récupérer cette terre. Hop. Et hop. Voilà. Pourquoi il veut? Ah si. Okay. Bon, bah, il y en a qui pousseront jamais là. Ah bah attends, toi qui sais, toi qui sais, toi qui viens avec moi, toi tu pousseras pas, toi tu pousseras pas. Hop. Okay. Là c'est un arbre à pousser, je pars du principe qu'il repoussera. Toi tu vas venir avec moi, toi tu vas venir avec moi.
plein de boutons. Toi, on va te mettre plutôt ici. Ici, ça poussera jamais, donc autant l'enlever tout de suite. Toi, tu pousseras peut-être. Ça, on sera d'autres étages de bois. Aïe. J'ai récupéré 16 terres. Super, comme ça je vais essayer d'en mettre un peu plus haut. De toute façon, dès qu'un arbre a poussé, maintenant tu peux le couper, hein, pour vite en replanter un autre. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ah bah t'es déjà en haut. Ah mais il y en a un qui a poussé, je vois des feuilles. Oh bah non, c'est rapide. Oh mince, il est tout petit. Tant pis s'il y en a au moins un qui pousse de temps en temps. Bon bah je vais couper ceux d'en dessous. Qu'est-ce qu'un bloc de terre fait là? Attends. Voilà. Ah. Et alors, hop. Oh mince, je me perds dans tous ces escaliers. Bon, lui, il est très joli, mais on doit replanter un autre monde. Pareil. On est obligé. Du coup, si on les a coupés, ça compte pas dans le défi ici. Bah si, parce qu'on a... bah si, parce qu'on a réussi, Marc. Oui. De toute façon, d'ici là, on les aura tous refait pousser plus d'une fois. Oh, la tour qui se termine jamais, quoi. Oh, par contre, il faudra que tu viennes voir. Comme j'ai cassé les arbres, et ben, il y a de l'eau qui tombe partout. T'as fait un truc avec de l'eau. Ah, au secours. Et je te fais. Bah j'ai coupé les arbres. Ah c'est oh là ici là. Oh les poubelles, les poubelles. Oh, attends. Et ça tombe d'où? Ah mais ça tombe pas des trucs de. Ah oui d'accord. Ah oui ça tombe de. Voilà, ça devrait s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bah il n'y a plus d'arbres. Voilà, bah comme ça on n'a plus qu'à replanter. Oh, il y a de l'eau là. Parce qu'il y avait une source d'eau là. Bah, comment c'est que j'avais mis. Comment c'est qu'elle est aussi grosse? Attends. Hé hey. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de vider mon seau. Mais tu peux pas. J'y arrive pas. Bah attends, je vais boucher avec ça. Ouais, bouche s'il te plaît. Mais non, mais c'est à côté de l'échelle. Voilà. On y arrive. Ah mais du coup tu m'as enlevé mon trou. Ah merde, c'est où? Voilà. Alors, un petit arbre ici. Un petit arbre là. C'est là. Un arbre là. C'est peut-être ça. Et un arbre ici.
Voilà, j'espère que ça va pousser. Voilà. Bon, je l'ai pas mis au même endroit tout à l'heure, mais tant pis. Ça nous fait des étages bizarres à certains endroits. Ah, le blé a poussé! Ah! Ah, le blé a poussé. Ah, là, là. Et du coup, on n'a plus d'étage là. Non. Alors attends, le blé, il est là. Hop, non! Pourquoi je n'arrive pas à arriver au blé? Mon Dieu. Mais... Ah mais je comprends pourquoi il manque un bloc là. Non, bon c'est pas grave. Non, ça me permettra de tirer là. Je Ah connais, merde. je sais pas avec ce pack de texture. Ah non, c'était. Ah oui, lui il est prêt. Et lui là-bas, non, il est encore un peu vert. Okay. Suis rangé. Ça ressemble plus à rien ce qu'on a fait. Hop. Donc attends, je vais transformer tout ce bois déjà. On Super. n'est pas allé voir nos copains ce soir. On ira les voir vite fait tout à l'heure. Là, on va vite fait terminer. Bah, il nous reste 10 minutes et après on ira les voir. Coucou. Ça va un coucou. Si c'est pour me faire insulter parce que j'ai pas voté, Ouais, enfin bon, c'est plutôt que je vrai. n'arrive pas à voter vu que Monsieur Ugawa ne veut pas comprendre. Oui, comme on est sur Alors, si tes... Ogawa regarde la vidéo, je le répète, je ne peux pas voter. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc, si tu n'es pas content, je te demande de venir gentiment chez moi et de venir réparer le problème. Voilà. C'est un message pour Ogawa. Par contre, je suis désolé, mais je suis obligé de couper l'arbre. Bah, on est obligé. Ah! On est obligé parce que si on veut avoir du bois. Encore lui, ici, ça nous en donnera pas beaucoup parce que c'est tout petit. Mais il nous en faut un maximum de bois. C'est ce qu'on va. Je crois qu'on va en faire beaucoup. T'as une pousse sur toi, non? Merci. Tu la plantes là, là. J'espère qu'il pousse Mais bien. vas-y, tu l'as récupéré. Bon? Ah mais j'en avais, de toute façon. C'est pas grave. Hop. Pourquoi il y a de la terre ici? C'est trop cher la terre. Voilà. On verra si ça pousse. Ok, bon alors pour l'instant on a réussi un seul des défis, donc les arbres. Pour monter plus haut, Le ben blé on... aussi, non? Ah oui, le blé, le champ. Bah oui, parce que de toute façon on peut pas faire un champ plus grand. Hein. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'on enlèvera un peu d'eau pour avoir plus d'espace pour faire plus de blé. Et en plus, comme on est sur un serveur privé, ça ne poussera pas tant qu'on ne jouera pas ici. Donc voilà. Bah, au pire, on peut quand même arrêter maintenant. Ça fera pas un épisode hyper court, hyper long non plus. Et de toute façon, on continuera la prochaine. Of course. Bon bah d'accord. Bah, on se retrouve la prochaine fois, les amis, avec Saphira. Et on trouvera C'est des. moi. On trouvera d'autres sujets de conversation passionnants. La prochaine fois, ce sera Tout à fait. Miley et Cyrus toute nue. Et Non, non. on débattra. Non, je rigole. Bon, allez. À bientôt, les amis. C'était Dina et Saphira dans les défis du carré. Et sérieusement, je commence à avoir peur parce que ça va Parce être. qu'on a fait, on n'est même pas arrivé tout en haut. Ouais, mais bon, c'est possible Et il parce faut que qu'on pas fasse mal le ont déjà fait. bas. Donc je me mets en game mode pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oh! Moi aussi, je veux voir. Moi aussi. C'est très architectural. Moi aussi, je veux voir. Oh mon Dieu, que c'est moche. Oh Oh mon Dieu. On dirait la maison de Ron Weasley. là Là là.
Mon Dieu. Ah, ce qui fait joli, c'est la petite bibliothèque. Donc voilà, et ben on va aller et ben dans notre lit. Attends, je vais t'y téléporter. Notre chambre est ici. Voilà. Et on va faire... Oh! Je me suis téléporté sur toi. Oh, le boulet. C'est un boulet. Bah, dans le prochain épisode, soit on se consacrera entièrement à... bah, essayer d'avoir plus de bois. Soit à essayer d'autres défis, genre faire du pain ou des trucs comme ça. Allez, on fait un gros dodo les copains avec Saphira. Et on vous dit à bientôt. Des bisous vite. Bye.